Yo Internet, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va, les oiseaux chantent, mais ils font parfois des fausses notes, les papillons volent, mais ils se brûlent les ailes souvent. Cette semaine elle a été particulièrement difficile, j'ai dû faire face à beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités, beaucoup de chocs, de chambrements. Donc ça n'a pas été, ça a vraiment pas été facile, il a vraiment fallu tenir et continuer à avancer et continuer à faire ce que j'ai à faire, comme je vous le dis chaque jour. J'ai réussi à l'appliquer, donc je suis assez fier de moi, même si je ne l'ai pas appliqué à 100% en fait. C'est-à-dire que j'essayais de faire les choses, mais j'étais tellement perturbé par certains soucis que j'arrivais pas à me donner à 100% et à être concentré et dédié à 100% à la tâche à laquelle je me consacrais. Et j'ai quand même continué à répéter, à écrire, à enregistrer, à mixer, à faire du sport, mais tout était beaucoup plus difficile. Donc là, les choses commencent un peu à se décanter très légèrement, même si la période trouble n'est pas encore finie. Je nage encore en trouble, je nage encore dans la mer. Mais ça va aller et je sais que plus tard j'en rigolerai et que ça fera partie de mon histoire en fait. Quand vous êtes dans une situation difficile, il y a deux possibilités. Soit vous attendez que la pluie passe, ou soit vous dansez sous la pluie, comme Jane Kelly. Puisque mon temps est précieux et puisque votre temps est également précieux, je me suis dit que j'avais pas le temps d'attendre que la pluie passe, que tout soit parfait, que tous les astres soient alignés. Non, on n'a pas ce temps-là. En fait, faut vraiment avancer. Certes, tu avanceras plus difficilement, certes, tu avanceras moins vite, certes, ce sera compliqué, tu ne seras pas au top de ta forme, au top de ton potentiel, bon, au moins, tu avanceras. Donc, c'est une période assez trouble. Vous allez suivre un peu comment ça va se décanter à travers les vlogs. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, vous montrer que malgré toute l'adversité que vous pouvez avoir à un moment dans votre vie, faut continuer, quoi. Même si vous ne continuez pas à fond, continuez à avancer. C'est vraiment une course de fond. Donc, je finirai sur ces mots. Continuez, continuez. Je vous dis à demain et surtout, faites ce que vous avez à faire.